Chers amis, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve avec plaisir cette semaine. Ça va être la semaine du jazz. Non, vous en allez pas. Je vous ai préparé des morceaux hyper abordables. Je vous ai préparé deux morceaux. Le premier donc aujourd'hui qui va être de niveau intermédiaire et celui de vendredi qui sera un petit peu plus facile. Aujourd'hui, on va travailler Work Song de Nat Adderley qui est un morceau de 1960. Nat Adderley, le trompettiste avec à la guitare Wes Montgomery. Un standard du jazz incontournable, et eh bien vous allez être capable de le jouer pour peu que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous ai fait des tablatures qui vont apparaître à l'écran quand je vais vous le jouer un petit peu plus lentement. Et puis vous allez les retrouver également sur ma page Tipeee en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien, je vous les ai fait en format PDF, en format Guitar Pro. Le morceau de vendredi, ça sera les feuilles mortes Autumn Leaves, qui est également un standard du jazz que vous trouvez dans le Real Book. Je vous ai fait un arrangement guitare qui, à mon sens, est accessible à ceux qui débutent. Alors évidemment, bon, si vous ne savez pas jouer trois notes sur le manche, tout est difficile. Non, là, je vous assure vraiment que ça va être quelque chose d'abordable. Des petits morceaux de jazz, un petit peu comme ceux que j'ai fait, vous savez, les petits blues sur 12 mesures, les petits exercices, les petites reprises, les petits arrangements de 4 lignes. Je sais que vous cherchez ça. Mais l'équivalent en jazz. Un instant, regardez. Allez, combien de lignes là? Vous comptez avec moi, il y en a 4. 16 mesures. Ne me dites pas que vous n'allez pas être capable de jouer ça, parce que là, je serai fâché, je perdrai ma bonne humeur. Non, bah, c'est pas très grave de toute façon. Mais là, vous avez vraiment une occasion d'apprendre un petit morceau de jazz avec un question-réponse cuivre et instrument à cordes. Super sympa, avec un thème qui est à la fois mélodique et rythmique, donc on a vraiment tous les ingrédients dont on a besoin. Bon, alors, j'arrête de vous embêter avec le blabla, maintenant je vais vous le jouer assez lentement avec le métronome, vous allez avoir les partitions qui défilent, et puis ensuite, je vous explique comment il fonctionne. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai également quel type de guitare je vous recommande pour jouer du jazz. Alors pas pour que vous achetiez des guitares, mais je sais que des fois vous me demandez bon, quel type de guitare il faut que j'ai pour jouer du jazz. Bon, vous pouvez jouer ça avec n'importe quelle guitare, mais bon, on va en parler un petit peu, donc revenez ou avancez à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc le morceau fonctionne comme ceci, vous avez un accord qui est plaqué, en l'occurrence ici c'est un Fa mineur, et vous avez les notes du thème à la trompette. Ensuite vous avez le Fa qui est plaqué encore une fois, et la réponse, puisque c'est un espèce de question-réponse entre les cuivres et les cordes. Ce petit thème donc, il est relativement simple. Ça va être joué sur la gamme de Fa mineur pentatonique. Ça va être joué avec le doigt numéro 1 sur la case numéro 3. Donc vraiment, vous retrouvez cette forme de Fa mineur penta. Ça va être amené avec un petit slide, la cinquième case, à partir de la quatrième. Si vous ne voyez rien de précisé avant un slide, ça veut dire que c'est la case d'avant. La note entre parenthèses, ça veut dire que la note dure. Vous allez jouer ça avec un mouvement de swing au lieu de faire. Vous allez faire ta, ta, ta. Avec une note plus longue et une note plus courte. Au moment du soupir, eh bien, vous pouvez placer le Fa mineur. 1, 2, 3. Ce thème sera donc répété, ensuite il y aura le passage avec l'accord de Do 7e. Alors le Do 7e, celui que je vous propose, bon j'en suis pas super fier parce que c'est vrai que c'est pas celui qui a le voicing le plus sympa, mais par contre, je me devais de trouver un accord qui est
bien proche des notes du thème. Parce que, en fait, beaucoup d'entre vous, et bon, j'ai fait l'erreur également, bien, voilà, c'est qu'on joue les accords trop loin des notes, et après, il y a trop de voyages à faire sur le manche, et on n'arrive pas à jouer en place. Donc voilà, il faut trouver des accords, voire des triades, qui sont vraiment dans la même région que les notes du thème. Le Do septième, vous allez le jouer comme ceci. Comme un Do normal. Alors, qu'est-ce qu'un Do normal? Je ne sais pas. Mais ça, c'est le Do classique, en tout cas. Do majeur. Et le petit doigt, troisième case corde de Sol. On va jouer donc la septième mineure. Et le petit bend. Vous allez essayer de pousser la corde pour avoir le son et la note de la cinquième case. Le passage qui va vous poser le plus de soucis, je vous connais, c'est celui-là. Le plus simple, ça va être de faire un demi-barré. Vous allez avoir deux croches et ensuite des triolets de croches. Donc ça va faire... Gardez le demi-barré à la quatrième case. Vous allez jouer deux cordes avec ce même doigt. Et ensuite, je vais vouloir faire un petit pull-off de la quatrième à la troisième pour aller plus vite en fait. Et le petit doigt va retrouver donc naturellement la sixième case. La dernière ligne, je ne vous le cache pas, il va falloir la travailler un petit peu pour arriver à enchaîner proprement. Donc vous gardez le doigt du milieu sur la quatrième case. Le jouer en triade, ce Fa mineur 7, 9e dièse. Jouez-le comme ceci. Hein. C'est un petit arrangement, donc vous le faites comme vous le sentez. Pour moi, j'aime bien garder cette logique d'utiliser donc ces doigtés proches. Pour un premier motif, j'ai pratiquement la même forme. Et le deuxième, je vais utiliser le doigt numéro 1 et 2. Le Si bémol 7e, donc, à 3 doigts, c'est une triade. Avec, en principe, vous auriez la fondamentale ici à la 6e case. Mais là, en fait, on va garder la 7e mineure et la tierce majeure. Ça nous suffit largement. On va répéter, en fait, la 7e mineure ici. Donc, à la 9e case. Et enfin, la fin avec les deux accords de 7e, le Do dièse et le Do. Là, je vais les jouer juste en triade pour aller un petit peu plus vite. 3, 6. Gardez le doigt numéro 1 pour former le Do dièse 7. 3, 6. Le doigt numéro 1 ne bouge pas. Et ensuite, le Do 7. Et donc là, vous avez un petit triolet. Le triolet, il ne va pas falloir le rater. Donc, soyez bien vigilants. 1, 2, 3. Et là, moi, je fais des pull-off. Hein. Maintenant, vous pouvez le jouer comme vous voulez, au médiator ou en pull-off. Voilà, j'espère que vous allez travailler ça tranquillement. Et quand vous allez jouer ça devant vos amis, eh bien, ils vont vraiment être impressionnés de vous voir jouer un vrai standard de jazz en bonne et due forme. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers ma page Tipeee, dispo en PDF et en format Guitar Pro. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la technique, on va parler un petit peu de la guitare. Comment obtenir un son jazz avec sa guitare? Alors, je sais que certains d'entre vous savent tout comment obtenir un bon son. Donc là, les gars, ce n'est pas la peine de continuer à regarder cette vidéo. Vous n'allez rien apprendre là. Je m'adresse à ceux voilà, qui voudraient bien savoir comment simplement se régler un son jazz. Bon, là, dans ce que vous entendez, il n'y a pas d'ampli guitare utilisé. Ma guitare, elle est branchée directement dans une pédale de réverb qui va dans un petit boîtier intermédiaire qui est relié à ce petit préampli du Zoom H5 et qui va directement dans la caméra. Donc le son est très très brut. J'ai un seul micro côté manche. Pourquoi? Eh bien parce qu'en jazz, en fait, on veut avoir le son le plus rond possible. Si on a un microphone qui est placé du côté du chevalet, ça va donner un son métallique. Et donc ça, c'est très très bien si on veut se faire un son blues ou un son rock. Pour le jazz, en fait, on ne l'utilise pas. J'utilise un médiator, mais je ne suis pas tenu d'en utiliser un. Il y a beaucoup de très grands guitaristes de jazz qui n'en utilisent pas. Et puis, il y a certains
types de jeux guitare jazz qui sont un petit peu, comment dire, joués au doigt sans être véritablement fingerstyle. Bon, je préfère utiliser un médiator, mais celui-là, c'est un médiator assez épais. Il doit faire... Enfin, ça doit être écrit dessus. Non. Pas écrit, pas de chance, là. Donc, je pense franchement que c'est un 2 mm ou un 2 mm et demi. Et donc, le plus important, en fait, ce qui fait la particularité d'un son jazz, c'est d'avoir un jeu de cordes de guitare jazz. Donc, c'est des guitares, en fait... Non, c'est des cordes de guitare qui sont recouvertes d'une petite couverture, en fait. Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est, un petit peu plastifié. Et donc, elles ont l'apparence un petit peu de cordes à linge. Et un son beaucoup plus rond que vos cordes en acier traditionnelles. J'utilise une archtop. Alors, ces guitares archtop, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la table qui est légèrement bombée. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. En principe, une solid body, donc une guitare à corps plein, pourrait être aussi une archtop. Maintenant, on comprend quand on utilise ce terme qu'on parle de guitares qui ont la table un petit peu bombée. Et surtout, à mes yeux, c'est ce chevalet à la fois en bois et en métal qui fait cette particularité, donc avec l'arrière du chevalet qui est attaché en fait directement derrière. Donc ça donne un son assez particulier. Cette guitare, c'est une demi-caisse. Les quarts de caisse, ça serait plutôt les formes style Gibson ES, donc les formes un petit peu comme celle de Chuck Berry, si vous ne voyez pas ce que c'est la Gibson ES. Donc celle-là, c'est un petit peu plus épais, avec un petit peu plus de corps. Et donc, sans ampli, ça sonne comme ceci. Et là, si je branche l'ampli, le micro-manche donc donne cette rondeur au son qu'on aime beaucoup dans le jazz, car il faut un son très velouté. Cette guitare, c'est une Ibanez AF71. Rassurez-vous, c'est de l'entrée de gamme chez Ibanez. Alors, ils m'ont pas demandé de parler de leur guitare, bien au contraire. Mais voilà, j'ai acheté cette guitare parce que je voulais une petite guitare archtop pour un petit projet de jazz. Et puis, pour avoir un son un petit peu plus crédible. Et puis, parce que c'était un petit peu plus sympa d'avoir une guitare qui était dédiée à ce style-là. Un autre aspect essentiel dans la guitare jazz, c'est d'utiliser le tone control. Ça, c'est le volume, et juste à la droite, vous avez un petit potentiomètre qui contrôle en fait la sortie de la tonalité, c'est-à-dire avoir un son avec plus ou moins de rondeur et de basse. Quand il est totalement ouvert, donc j'ai un son assez tranchant, et quand il est totalement fermé, c'est un son plus rond. Maintenant, dans le jazz style bebop, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide un petit peu pour avoir un son un petit peu plus crédible. Ce n'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a des musiciens de jazz qui détestent ça. Donc, en fait, quand on est très impliqué comme ça dans un style, on en joue beaucoup. Au bout d'un moment, il y a des particularités de ce style qui vous sortent des yeux et des oreilles et que vous ne supportez plus. Je pense que c'est pareil avec le heavy metal. À titre personnel et venant de ce style-là, je ne supporte plus les murs de guitare où sur 5-6 canaux, vous avez des guitares rythmiques qui sont empilées les unes les autres avec le canal distorsion mis au maximum. Moi, j'aime bien les sons minimalistes. Donc, il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai que, pour avoir un son un petit peu plus rond, vous, sur votre guitare, mettez-vous avec le micro-manche et le tone control complètement fermé et vous aurez donc un son un petit peu plus bebop que si vous utilisiez le micro chevalet. Alors, c'est conseillé d'utiliser des humbuckers. Ici, c'est un mini humbucker. Donc, ce sont ces gros micros à double bobinage sur un type de guitare style Stratocaster avec des micros simples. Là, c'est vrai que ça va être difficile d'avoir un vrai son de jazz. Maintenant, vous avez des très bons guitaristes. J'ai vu des vidéos de Birelli Lagraine, qui joue sur une petite Yamaha Pacifica. Et c'est la tarte comme d'habitude. Donc, c'est pas la guitare qui fait le guitariste, mais c'est vrai que
avoir une guitare équipée et avoir un setup dit jazz, évidemment, ça aide à obtenir un son jazz. Ce sera donc tout pour aujourd'hui, chers amis. Merci d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout et j'espère sincèrement que vous allez en tirer le maximum. Donc, si ça a été un poil au-dessus de votre niveau, pas de panique parce que la vidéo de vendredi sera, je l'espère, un petit peu plus simple avec un standard du jazz qui est assez lent avec des notes longues. Donc, vous n'aurez pas des petits passages un petit peu plus rapides avec enchaînement accord-notes comme ça, assez serré. Je vous attends donc avec plaisir. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.